un momento di grande importanza per la città. Il messaggio è quello di una città che non si vuole solo al passato, che non si fa forte soltanto di quello che ha ereditato i suoi padri, ma di una città che riesce a mettere insieme tutte le diverse forme artistiche espressive e quindi si proietta la contemporaneità. Faire l'aventure de construire un musée est toujours une aventure fantastique pour un architecte. Mais c'est aussi une aventure fantastique pour une ville, de faire un musée d'art contemporain. Produrre in casa un progetto di arte contemporanea è innovazione, è internazionalità, è qualità, è prestigio. Faire un musée à Rome, c'est une aventure encore plus grande. Parce que Rome, c'est une ville d'histoire, c'est une ville d'archéologie. Et soudainement, il y a plus d'une dizaine d'années, la ville a décidé d'entrer dans le 21e siècle. Le projet du macro est né de la ville. C'est la ville qui a fait naître le projet, pas seulement parce qu'il était le client, mais parce que la ville, la structure de la ville, la composition de la ville, l'essence même de la ville, est entrée dans le macro pour fabriquer cette question, ce projet avec la place intérieure, la place supérieure, les deux surfaces de place et entre les deux, la promenade, la déambulation, les parcours qui sont exactement comment est constituée la ville de Rome. De place en place, on déambule, on se promène et c'est vraiment pour moi la ville de Rome, l'essence même de la ville de Rome qui est entrée dedans. Et en plus, le sol qui est ici, qui est du basalto, c'est le sol que l'on a dans les rues de Rome. Donc c'est vraiment la ville qui est rentrée dans le musée et le musée qui s'est ouvert à la ville. Yeah.